dimanche 29 janvier, les fidèles de Galilée se sont rassemblés pour célébrer la fête du Mont des Béatitudes. Les Salésiens de Terre Sainte en fête pour la mémoire de Don Bosco, une occasion de redécouvrir les racines de leur propre identité. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2017 a pris fin, un rendez-vous annuel qui témoigne d'un chemin de rapprochement entre les églises de Jérusalem. L'ONG Allo Trust a lancé une campagne de récolte de fonds pour enlever les mines du site du baptême de Jésus et ainsi, enfin redonner vie à ce lieu. Un métier transmis de père en fils depuis des générations, les œuvres de l'artisan palestinien Zacharia Zacharia, qui donne forme aux histoires des évangiles en travaillant le bois. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Ce sont les paroles de Jésus qui inaugurent le sermon sur la montagne, proposé par la liturgie du dimanche 29 janvier. À cette occasion, comme tous les ans, de nombreux fidèles de Galilée se sont rassemblés sur le mont des Béatitudes pour une messe spéciale avec plusieurs prêtres, religieuses et évêques. Nous venons ici chaque année pour recevoir la grâce des Béatitudes. Ces pages sont parmi les plus belles de l'Évangile pour moi. Elles contiennent le secret de la vie de l'homme. Visiter le lieu où il y a 2000 ans, Jésus prononça ce discours et réécouter aujourd'hui ces mêmes paroles est un encouragement spirituel pour de nombreux chrétiens locaux et pour les fidèles venus de diverses parties du monde. Le Seigneur a prêché et enseigné ici. Mon expérience ici, dans ce sanctuaire, est de voir les personnes entrer, se recueillir en prière et sortir émues, parfois en larmes. Ces béatitudes nous aident à poursuivre notre chemin, à écouter la voix du Seigneur. La chose la plus importante est d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Tout ce que le Seigneur demande, c'est notre bonne volonté. Il fera le reste. Et dit, Seigneur, io voglio, perché quello che il Signore vuol sentire, la buona volontà, poi il resto lo fa lui. Le discours de Jésus contraste avec la culture contemporaine dominée par le consumérisme et le pouvoir, puisqu'il proclame « bienheureux » justement ceux que la société rejette. Tous, nous pouvons expérimenter à un moment donné de notre vie le manque des biens matériels. Mais le Seigneur nous récompense avec la richesse d'un esprit plein d'amour pour les personnes proches. Peu importe les biens, la vraie richesse consiste en cet amour, être disponible pour aider les autres, les malades et ceux qui sont dans le besoin. La pauvreté matérielle n'est pas un obstacle, au contraire. Celui qui est pauvre est plus attentif aux besoins d'autrui. La compréhension et l'accueil des propositions de Jésus sont possibles seulement pour ceux qui vivent dans la foi. En général, nous projetons les béatitudes dans le futur. Jésus nous dit au contraire, vous êtes déjà bienheureux. Vous pouvez être heureux dès maintenant. Cela, si nous adoptons le point de vue de son royaume. Aujourd'hui, dans une logique mondaine, pour être heureux, nous voulons nous mettre au-dessus des autres. Nous voulons des certitudes et des garanties. Jésus nous dit que la garantie la plus importante, l'unique, est celle d'être avec lui. La fête de Don Bosco a été célébrée en Terre Sainte. Le 31 janvier a ainsi été l'occasion pour les Salésiens du monde entier de plonger dans le passé, aux racines même de leur identité. À Jérusalem, la célébration s'est tenue dans l'ancien monastère Ratisbonne, en présence de plusieurs communautés religieuses de Terre Sainte. Durant la messe qu'il a présidée, Mgr Jacinto Marcuzzo a rappelé le thème de l'étrenne salésienne pour 2017 « Nous sommes une famille, chaque maison une école de vie et d'amour », ainsi que l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia. La mission spécifique des Salésiens en Terre Sainte, comme ailleurs dans le monde, est l'éducation des jeunes à travers l'école, les oratoires et le témoignage de vie. C'est une mission magnifique. Des chants et de la joie et tout ce qui est nécessaire pour que l'évangélisation porte du fruit.
Nous pouvons voir que là où se trouvent les Salésiens et leurs écoles, il y a de nombreux jeunes engagés, enthousiastes et pleins de zèle dans leur mission de jeunes chrétiens. L'absence des Salésiens se fait sentir. Nous invitons donc tous les curés de paroisse et toutes les églises à profiter de ce charisme des Salésiens pour que les jeunes puissent découvrir leur mission, celle d'être de jeunes chrétiens, témoins au sein de la société. Présent depuis 1891 en Terre Sainte, l'inspectorat salésien s'est développé dans d'autres pays du Moyen-Orient. Il compte actuellement 15 maisons pour une centaine de frères en Égypte, Syrie, Liban, Turquie et Iran. En Terre Sainte, l'inspectorat est à Nazareth, Crémizan, Beit Jemal, Jérusalem et Bethléem. Outre l'école technique, les cours professionnels et l'oratoire, la boulangerie salésienne est désormais une institution historique pour les Bethléemites, et ce, depuis sa fondation en 1891. À partir de l'année académique 2004-2005, l'Institutum Theologicum Salesianum, fondé en 1929, a été transféré de Crémizan à Jérusalem. Ici, nous avons des étudiants de 27 pays. Nous avons 58 étudiants en théologie, qui est un cursus sur 4 ans, et nous avons deux diplômes, qui se concentrent sur la Terre Sainte, pour l'éducation des nouveaux prêtres notamment. Tous ensemble, le corps professoral et les étudiants proviennent de 33 nations du monde entier. We come from 33 nationalities from around the world. I'm from Indonesia. So for me, je viens d'Indonésie. Pour moi, célébrer la fête de Saint Jean Bosco ici en Terre Sainte est une grande occasion pour renouveler mon engagement à être un bon Salésien. Be a good Salesian. Cette célébration n'aurait pas été la même sans la présence des jeunes. This group is coming from Slovakia. Ce groupe vient de Slovaquie. Ce sont des animateurs qui donnent un coup de main pour les groupes d'enfants et de jeunes, pour lesquels, par exemple, nous organisons des camps d'été. Et ils vivent le charisme salésien, avec la joie et les chants bien sûr, mais en assumant également des responsabilités à l'école. Je pense que c'est cela le charisme salésien aujourd'hui. Être des citoyens honnêtes, mais aussi de bons chrétiens, toujours avec joie. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2017 s'est terminée. La célébration du dimanche 29 janvier a clos ces 9 jours de prière qui ont réuni les chefs et les fidèles des 13 églises chrétiennes de la Ville Sainte. Jérusalem est connue dans le monde entier pour les divisions entre les églises chrétiennes qui ne se parlent pas, ne se rencontrent pas et se disputent continuellement. Mais cette semaine, au contraire, celui qui était à Jérusalem a pu voir que les différentes églises, les responsables et les chefs de ces églises se rencontrent, s'embrassent et s'échangent avec sincérité le baiser de paix. La paix est nécessaire pour tout le monde. Sans elle, il est difficile de prendre des initiatives. C'est pour cela que nous prions Dieu, pour qu'il nous accorde la paix, une paix totale pour le monde et dans nos vies. Des chants, des lectures de l'Évangile, l'échange du baiser de paix, une prière récitée à l'unisson en diverses langues ou encore la bénédiction finale donnée par tous les chefs religieux présents. Les gestes qui ont jalonné cette semaine sont simples mais très significatifs. Dans la salle de la Sainte-Seine, au Cénacle, la prière a été conduite par les moines bénédictins de l'abbaye de la Dormition sur le mont Sion, avec les étudiants en théologie. Renaître est le désir de chacun et de toutes les églises, a souligné le père Elias Pfiffi dans l'homélie, suggérant le chemin qui rend possible ce renouvellement. Nous ne pouvons pas changer totalement notre état d'esprit, mais nous pouvons expérimenter que, malgré notre petitesse, notre faiblesse, nous sommes des créatures simples mais aimées de Dieu. Et dans cet amour profond, nous ne pouvons pas tant changer que nous transformer. Not change, but transform.
Durant le week-end, les fidèles et les chefs religieux se sont rendus chez les Coptes, les Éthiopiens orthodoxes et les Grecs catholiques melkites. Cette ville sainte est témoin du salut divin arrivé ici, a rappelé l'archevêque melkite Joseph Jules Zéré. Prions pour que nous puissions bientôt nous réconcilier. Chaque année, l'atmosphère est toujours plus positive. Il y a quelque chose de nouveau qui se construit. Rien d'éclatant, pas de changement énorme, mais c'est la conscience toujours plus forte d'appartenir à un unique corps qui est l'Église du Christ. Les résultats sont visibles. Les travaux de restauration du tombeau du Christ, ou par exemple une célébration dans une paroisse, une activité d'union toujours plus évidente, autant de signes qui font voir, surtout en cette semaine, le chemin accompli ces dernières années. Millions de mètres carrés, environ 3800 mines, 2 ans de travail et 4 millions de dollars de fonds nécessaires. Ce sont les chiffres d'un projet ambitieux, celui de redonner vie au site du baptême du Christ. Un lieu saint, vénéré depuis toujours, mais abandonné depuis quelque temps. Encore aujourd'hui, les restes des monastères et des églises, témoins concrets de la présence chrétienne, nous laissent deviner les histoires qui ont pu se passer ici. Le fleuve Jourdain est très important pour toutes les différentes églises comme la nôtre. C'est de là qu'est parti le message chrétien. Allo Trust, une organisation dédiée au déminage des sols dans le monde entier, est engagée dans la région avec l'accord des autorités israéliennes et palestiniennes de l'action anti-mine. Il y a quelque temps, l'organisation a lancé une campagne de récolte de fonds pour pouvoir procéder au déminage du site, un projet qui présente de nombreux défis. There are four levels of challenges or obstacles. Ce projet devra surmonter 4 obstacles. Les mines antipersonnel situées à l'entrée du site, les mines anti-chars qui recouvrent la zone du nord au sud, les pièges explosifs à l'intérieur des bâtiments et du périmètre des monastères, et enfin les engins qui n'ont pas explosé et qui sont disséminés sur tout le site. The third one will be the booby traps which were laid inside the buildings and inside the church perimeters, and the fourth one will be the unexploded ordnance which were left and are spread all over the area. This place is a place with a very high potential. Nous avons tout de suite reconnu ce lieu comme ayant beaucoup de potentiel et qui peut bénéficier à la fois aux églises présentes et à ceux qui vivent proches de cette zone, ainsi qu'à toutes les autorités impliquées dans le développement du site du baptême. Cette zone a besoin d'être déminée afin de devenir dans le futur encore plus importante pour le tourisme et ainsi attirer plus de pèlerins et de touristes. Grecs orthodoxes, franciscains, arméniens, russes, coptes, roumains, éthiopiens et syriaques orthodoxes, ce sont les églises de Jérusalem présentes dans ce lieu depuis des siècles, témoins du chemin de conversion que Jésus, ici, a voulu enseigner. C'est très important, cela pour plusieurs raisons. Il faut d'abord sécuriser cette zone remplie de mines et permettre ainsi aux pèlerins de visiter ce lieu saint sans peur. Ensuite, le consensus de toutes les autorités en présence rend ce projet particulièrement important. Il démontre que la paix est réelle et que tous s'y consacrent. Enlever ces mines est un signe d'espérance pour la paix. Enfin, c'est important parce que le fleuve Jourdain est ici. Le père Pizzaballa, ancien custode de Terre Sainte, soulignait combien il était fondamental de soutenir ce projet unique, puisqu'il pouvait contribuer à construire des ponts en Terre Sainte, un petit geste pour une espérance de paix. Hope and pray that this project would make it... Je prie et j'espère que ce projet contribuera à la réconciliation. Je crois que c'est un beau signe d'espérance. Un signe qui peut contribuer à la coexistence et finalement à la paix.
Un atelier dans le centre de Bethléem, des créations artisanales et 40 ans d'expérience. Zakaria Zakaria a hérité avec ses frères la tradition de sculpter le bois d'olivier, transmise dans cette famille de génération en génération. C'est un beau métier, le plus beau de ce pays. Quand nous étions enfants, c'était celui de mon père et avant lui de mon grand-père. Et donc, quand nous avons grandi, nous avons appris le travail en le pratiquant, pas en prenant des leçons. Oncle Zakaria, comme on l'appelle, arpente sans relâche son atelier. S'appuyant sur son bâton, il coordonne le travail de ses ouvriers, chrétiens et musulmans, et leur enseigne le métier. L'infatigable attention qu'il porte aux détails transparaît dans les objets mis en vente et achetés le plus souvent comme souvenir. Le commerce ne concerne pas les chrétiens locaux. Aucun bethléémite ne vient acheter du bois d'olivier. Nous dépendons entièrement des touristes et des pèlerins. Zakaria consacre une attention spéciale aux histoires des évangiles et ainsi ses œuvres représentent souvent la Sainte Famille ou les différentes stations du chemin de croix. Récemment, une de ses créations lui a valu une certaine renommée. Son imposante reproduction en bois d'olivier de l'Enfant Jésus, exécutée sur demande de la Fondation Jean-Paul II, est entrée dans le Guinness des records comme la plus grande statue en bois de l'Enfant Jésus au monde. L'idée est venue du père Ibrahim Faltas. Il nous l'a suggéré et nous a aidé à récupérer le bois qu'il nous fallait. Ici, en Palestine, nous n'avons pas des morceaux de bois aussi gros, alors nous les avons fait venir d'Italie. Le morceau originel pesait 600 kg et, une fois taillé, 300 kg pour une hauteur de 240 cm et une largeur de 60 cm. Je crois qu'il s'agit du plus grand morceau en Palestine. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la Terre du cinquième évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web.